Bonjour, pour une fois ne parlons pas de chômage mais d'emploi et d'un métier porteur, un métier qui ne connaît pas le chômage justement, technicien ou mécanicien agricole. Pulseo s'est rendu dans l'atelier de la société MAC à Châteaubriant. Donc l'atelier donc de Châteaubriant, il a une surface de 2060 mètres carrés. Sur le site, il y a environ une vingtaine de personnes qui y travaillent dans différents secteurs, au niveau de réparation machine récolte, réparation tracteur qui sont aux clients. Il y a aussi de la préparation matériel neuf qu'on effectue et de tracteur neuf. Et sur ce site-là, j'ai trois apprentis bac pro qui sont en formation depuis le BEP et qui vont en théorie donc aller jusqu'au BTS. Donc ça fait six années de formation à l'entreprise. On est dans une profession aujourd'hui où il y a un manque de techniciens. Ça fait déjà quelques années que ça dure, mais ça s'est aggravé depuis, on va dire, 2-3 ans. Et ça, c'est pas propre à la société MAC, c'est propre à l'ensemble de la profession et je dirais même sur la France entière. Donc on recherche, nous, des techniciens. L'idéal, c'est de trouver quelqu'un qui a fait une école. Alors, on travaille, nous, beaucoup, par exemple, avec le lycée professionnel de Narcé, qui est dans le Maine-et-Loire, près d'Angers, qui forme soit des bacs pro, soit des BTS. On a d'ailleurs, tous les ans, à peu près dans l'entreprise, on va dire entre 5 et 6, 7 apprentis en alternance qu'on forme. Ils peuvent venir chez nous au niveau BEP, CAP, BEP, ils vont passer le bac pro et ceux qu'ils désirent et qui le peuvent vont passer le BTS. Sinon, on recrute également des gens qui n'ont pas forcément fait ce genre d'école ou qui n'ont pas fait d'apprentissage. Ça peut être des gens qui ont fait d'autres formations, par exemple ceux qui ont fait du travaux publics ou du poids lourd. Alors, en deux mots, qu'est-ce qui fait la particularité de technicien en machine agricole ? Il y a deux choses, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La première, c'est que les gens vont être appelés à travailler en atelier, à Châteaubriant, ou au Lyon d'Angers, ou à Blain, mais aussi ils vont aller travailler chez l'agriculteur. Ce sont des métiers qui obligent les techniciens à aller à l'extérieur. Allô ? Oui. D'accord, passe-moi le client. Allô ? Oui, bonjour. Oui. Le tracteur ne démarre pas. Écoutez, j'ai un technicien qui est dans le secteur. Je vais vous l'envoyer. Donc là, il est 15h20. Je vous l'envoie dans une heure. Donc le technicien va passer et va voir le problème que vous avez. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas de mécanicien au chômage. Mécanicien agricole au chômage, ça n'existe pas. Et que vous soyez jeune ou adulte, si vous êtes intéressé par le métier de mécanicien agricole, vous pouvez vous renseigner sur les formations auprès de Pôle emploi et de la Maison de l'emploi du pays de Châteaubriant.